Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, c'est Ridi, et j'espère que vous portez très bien. Je suis vraiment désolée pour le grand silence et j'étais très busy, j'étais très occupée, mais je reviens avec un petit tutoriel de tresse protectrice et merci pour les nouvelles abonnées et les nouveaux abonnés et veuillez souscrire pour ne pas rater les vidéos à venir et cliquez sur la cloche pour avoir les nouvelles notifications sur les à propos des nouvelles vidéos. Donc j'ai mis un grand foulard, bon pas un grand mais un foulard et je vais enlever et on va voir ce que j'ai en bas, ce qui était caché. Donc c'est une tresse rapide. J'avais déjà fait les tresses et j'ai laissé une. Donc tu fais deux chignons. D'abord tu partages tu on peut dire tu sépares tes cheveux voilà en deux. Je vis aux États-Unis, excusez-moi. Donc j'essaie de garder ce français là. C'est pas facile des fois. Donc j'ai excusé mes erreurs de faute, mes fautes. J'étais très bien français, mais bon. Ici c'est l'anglais, donc excusez-moi, j'essaie de garder le français. Donc tu partages au fait tes cheveux en deux. Donc tu sépares tes cheveux en deux. Une partie, tu peux faire comme ça. Ça dit du côté gauche faire le derrière, côté droit. Ou bien du côté droit, c'est mon droit, vers le côté gauche. Si c'est comme ça, le cheveu, le bout sera ici. Donc tu fais deux chignons. Chignon derrière. J'ai déjà fini cette tresse-là. Donc je vais faire celle-ci rapidement. J'espère que chez vous ça va. Donc c'est ça. Je fais une tresse à la laine. Mais j'ai fait un gros chignon et je partage. Je prends le petit bout pour tresser maintenant. Ça veut dire un petit branche, si on peut dire. Donc moi, je crois que j'ai fait 10 séparations. Donc ça dépend de vous, ce que vous voulez faire. Donc, rapidement, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous tressez. J'espère que vous me suivez bien, vous tressez. J'ai pas voulu que la vidéo soit longue, donc j'ai. À la fin, vous descendez un peu le fil. J'avais déjà fait un tutoriel à propos de fil et tresse à laine, donc je peux lister ça en bas ou bien en haut là, vous allez voir. Donc, vous attachez. Et maintenant. Vous allez essayer de. C'est déjà des tresses. Vous allez essayer de tourner ça tout autour de. Vous pouvez prendre le pin. D'habitude, moi, je fais ça comme ça. Ça dit, tu peux tourner aussi comme ça. Donc, ça devient gondelé. Tu tournes comme ça. Moi, je fais ça à la main. Ça devient gondelé. Vous voyez bien? Ou bien, si tu ne peux pas, tu peux prendre un peigne comme ça, à bout, comme ça. Et moi, je veux faire deux pour aller vite. Donc, tu tournes comme ça. Et en deuxième, tu tournes comme ça. Bien, bien, bien. Et je crois que il y a encore des tresses en bas ici. Donc, tu tournes ça bien. Et ça te fait des zigzags comme ça. Et tu les mets ensemble. Tu les mets ensemble. Tu les mets ensemble comme ça. C'est comme tu veux tresser. Tu les mets ensemble. Tu fais comme ça. Et puis, voilà. Et tu tresses. Tu tresses. Tu tresses. Tu tresses. Tu tresses. Tu tresses bien, 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 comme ça. Bien, bien, bien. Et tu
à la fin tu attaches. Voilà ce que ça donne. Donc j'attache les petits là qui sont restés. Je vais les couper. Voilà. Et ça devient fait bon comme ça. C'est un bon dessin. Petit dessin. C'est comme une fleur. Et tu ramènes ça en bas derrière. Et voilà. Tu attaches. Tu attaches. Tu attaches. Voilà. Voilà. Tu attaches et ça fait un bon dessin. Donc voilà, j'avais déjà fait les derrière, tu fais la même chose derrière, donc c'est ça, n'est-ce pas joli? c'est ça, je sais pas si vous voyez ce côté, donc ça va être un bon petit bout de chou, c'est comme une fleur, j'ai souvent fait cette tresse là, les gens, bon... apprécié, donc c'est et ça peut durer un mois et ça j'ai voulu partager avec vous, j'ai même peu le temps donc je n'arrive plus à beaucoup faire ça, donc c'est ça. L'intérieur aussi c'est la même chose et tu attaches en bas, donc c'est ça. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'espère que vous avez aimé. Enfin, si vous avez aimé, mettez un bon pouce que vous avez aimé. Donc, c'est ça. Et le matin, vous brossez seulement. Et si vous sentez que vos cheveux sont un peu secs, j'avais préparé ce mélange. Je vais mettre le lien, c'est fait à base de l'huile d'olive et puis de l'eau, c'est tout. Si vous voulez, vous mettez l'huile d'avocat dedans. Vous pouvez mettre un peu de spray comme ça, ou bien dans sur votre main et comme ça simplement. Et vous brossez. Vous brossez. Mais comme ça, là, vous pouvez brosser à peine. Et voilà. Donc voilà. Le derrière sera comme ça. Et le devant sera comme ça. Vous bougez ça comme vous voulez. Ça peut. Et voilà, c'est comme une fleur. Et ça peut durer un mois au moins. Et oui, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'espère que vous avez aimé. Et à propos des vidéos à venir, préparez-vous. C'est le temps qui m'a manqué. Veuillez m'en excuser. Sinon, il y aura des vidéos. Vraiment. Je ne sais pas si je vais les titrer. Les vidéos... story time, mais des vidéos vont venir par rapport à aux grandes choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, aux grandes choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites, les grandes choses qu'il a faites, oui, dans ma vie. Donc voilà, à Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait dans votre vie aussi. Ces vidéos viendront, c'est le temps qui m'a manqué et veuillez m'en excuser, veuillez souscrire et partager. Ça c'est un très bon tresse de quelques minutes. Tu attrapes deux chignons, si tu veux tu peux attraper un grand chignon. Je fais ça aussi des fois, tu attrapes un chignon, toute ta tête entière,
tape bien et tu sépares en petit petit, tu tresses les bouts. Si j'ai le temps, je vais faire ça là aussi. Vous allez voir ce que ça donne. Et tu tresses les bouts, donc ça fait un bon chignon. Et le bout, c'est comme quelque chose que tu as mis, c'est très joli à voir. Et tu mets un bon truc là, tu mets ça à la base et c'est joli. Tu peux sortir avec, tu peux aller à une soirée, tu peux aller à une fête n'importe où avec, au travail, si tu es étudiante, à l'école, n'importe où, tu peux sortir avec et c'est bien présentable. Ceux qui ont les cheveux naturels et qui sont gênés pour aller au travail, tu fais un bon chignon, bien sûr, c'est bien présentable pour aller n'importe où. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. J'ai voulu partager avec vous ceci. Je n'ai plus eu le temps de faire ça il y a longtemps, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Moins d'une heure de temps, tu peux faire ça. Un week-end, tu fais ça et tu as toute la semaine. Tu as 3 semaines même, tu brosses bien. Là, le soir avant de te coucher, tu mets, n'oubliez pas de mettre votre foulard en satin. Un foulard en satin qui peut bien protéger votre tête et puis c'est fini. Ok, bye bye. Bye bye. C'est Régine. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai pas envie de vous quitter, mais je dois vous dire au revoir. Bye. Partagez. Souscrivez, partagez, aimez. Bye.